just a thorn away. I keep thinking about that big sky I've seen so many times before, but it's something else today. Ce matin, en me levant, j'ai eu une idée pour le vlog. Et je me suis dit, est-ce que cette idée est vraiment une bonne idée? Est-ce que c'est vraiment une excellente idée? Alors, finalement, j'ai eu l'idée de partir sur autre chose et de faire un vlog sur le fait d'avoir des excellentes idées. Je sais pas si c'est très clair, en fait. Bon, je peux tomber à tout moment. Hein. Je vais mettre ma capuche, ce sera plus facile. Le sol... Alors... Le sol ici, ça va. C'est pas trop glissant. Par contre, ici, oh. En fait, le concept de l'excellente idée, d'attendre d'avoir la bonne idée pour agir. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne se lancent pas sur Internet, qui ne montent pas un business sur Internet, finalement, parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas la bonne idée. Bonjour. Discuté il y a quelques temps avec un ami qui est banquier, qui me disait qu'il aimerait vraiment lâcher son boulot, qu'il aimerait bien devenir entrepreneur, son père est entrepreneur d'ailleurs, mais... qu'il n'a pas l'idée, qu'il n'a pas la bonne idée, qu'il n'a pas la bonne idée pour monter un business. Et en fait, ce truc de vouloir avoir tout le temps la bonne idée ou d'attendre d'avoir la bonne idée ou d'attendre d'avoir la meilleure idée, c'est juste le meilleur moyen d'être bloqué, de ne pas avancer, de rien faire, que ce soit au niveau de la création du business, que ce soit au niveau de la création du contenu. En gros, c'est un truc qui vous pourrit la vie tout au long de votre carrière d'entrepreneur ou juste de vlogueur ou de créateur de contenu sur Internet. Et c'est en ça que c'est un super bon exercice de faire une vidéo tous les jours. Il y a plein de matins où je me lève et j'ai pas d'idée. Franchement, j'ai pas d'idée. J'ai aucune idée de ce que je vais dire dans la journée. Et même d'une façon générale, il y a plein de fois où je dois prendre une décision et que j'ai pas la meilleure idée. Je sais pas quelle stratégie je dois adopter. Je sais pas ce que je dois faire et j'ai pas vraiment... l'idée que je voudrais avoir. J'ai pas vraiment la meilleure idée, j'ai pas vraiment l'idée en or. Donc plutôt que d'essayer d'avoir la meilleure idée, je vous conseille plutôt de vous dire ok, bah je vais faire avec l'idée que j'ai sur le moment. C'est-à-dire que je vais prendre la meilleure idée que j'ai sur le moment, la meilleure idée que j'ai dans le laps de temps ou la meilleure idée que j'ai maintenant, et je vais utiliser cette idée et je vais faire avec cette idée. C'est beaucoup plus productif. Ça va beaucoup moins vous bloquer. Et de toute façon, voilà, si vous produisez du contenu tous les jours sur Internet, bah, vous n'avez pas trop le choix parce qu'au bout d'un moment, bah, il faut bien faire quelque chose. Et même si vous pensez que votre idée, elle est pas terrible, bah, il faut quand même la mettre en œuvre. Et ensuite, si vous voulez créer un business, bah, voilà, vous pouvez vous améliorer, quoi. C'est toujours mieux de penser en termes d'amélioration. Je vais améliorer mon idée, je vais affiner les choses au fur et à mesure que d'attendre d'avoir l'idée en or. Parce que l'idée en or... elle vient rarement. D'une façon générale, il y a beaucoup de business sur Internet, que ce soit des grands ou des petits, qui sont partis d'une simple idée, de peut-être pas d'une idée extraordinaire, et qui se sont affinés avec le temps, et qui ont donné des trucs juste magiques. Le mythe du mec qui est dans sa salle de bain en train de se raser, et qui est touché par la grâce, et qui a l'idée de génie, c'est quand même assez rare. Les idées, c'est un petit peu comme la motivation. Si on se met la pression en se disant il faut que je sois motivé, 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 sinon je peux rien faire, on n'est pas motivé. Si on se dit il faut que j'ai des idées, il faut que j'ai des idées, il faut que j'ai des idées, on n'a pas d'idée. À partir du moment où vous vous dites ok, avec ou sans motivation je vais le faire, ou avec ou sans meilleure idée je vais le faire, c'est ok. Vous le faites, vous n'avez pas la meilleure idée, vous vous en fichez et vous faites quand même. C'est ça le truc, c'est vraiment de se dire avec ou sans la meilleure idée je vais le faire quand même. Oh. Content d'être rentré à la maison. J'ai amené quelques livres pour meubler un peu la bibliothèque. En fait, j'avais déjà fait un gros tri, donc il y a pas mal de livres qui sont dans le grenier. La lecture, c'est juste magique et je vais en profiter pour vous conseiller juste 2-3 livres que vous devez vraiment avoir lu. Bon, en fait, il y en a plein.
Donc évidemment, le premier, un classique, Unlimited Power d'Anthony Robbins. J'ai préféré l'autre en fait, même si celui-là est souvent plus cité. J'ai préféré Awaken the Giant Within. Donc là, c'est Pouvoir illimité, et l'autre en français, c'est l'éveil du géant. Je crois que c'est l'éveil intérieur du géant, la traduction c'est ça. Tony Robbins, voilà, on aime pas. C'est vrai qu'il y a un côté un peu marketing, mais clairement, c'est quand même le mec qui a vraiment posé toutes les bases, qui a tout regroupé, qui a posé toutes les bases du développement personnel moderne. Enfin, en tout cas, pour moi, il faut l'avoir lu. Outliers, j'en ai déjà parlé, c'est donc de Malcolm Gladwell, je connaissais même pas son nom. C'est un livre qui décortique vraiment tous les mécanismes du succès. C'est juste énorme. Bon, je vais devoir aller vite en fait parce que je suis en train de m'apercevoir que j'ai plus de batterie du tout, donc ça va couper. Enfin, je vais recharger la batterie. Et Paléonutrition de Julien Vénesson qui vulgarise pas mal d'études. Et c'est pour moi, c'est même si on n'aime pas forcément, même si on veut pas forcément manger paléo, il pose vraiment toutes les bases du bien, de bien manger, sur le fait de bien manger, et il tord le cou vraiment à pas mal de mythes de la médecine moderne et de l'industrie, enfin de l'industrie agroalimentaire moderne. Bon là, je vais aller chercher ma copine à l'école. C'est l'inconvénient de n'avoir plus qu'une voiture. Hier, je suis tombé sur un reportage, je crois. Enfin bref, ça parlait d'un marketeur dans le domaine de la séduction, donc quelqu'un qui vend des formations, des coachings dans le domaine de la séduction. Et c'est assez marrant parce que la séduction, ça a vraiment, enfin le business de la séduction, ça a vraiment buzzé vers autour de 2010, un petit peu avant. C'est un business qui est un petit peu saturé où tout le monde dit voilà, se lancer là-dedans, c'est pas vraiment une très très bonne et c'est pas vraiment une très très bonne idée, c'est pas ce qui rapporte le plus. Et donc le gars hier, ce qu'il faisait, c'est qu'il avait eu une super idée, je trouve. Il avait encore facilité la tâche à ses clients. C'est-à-dire qu'au lieu de dire voilà, je vais faire du coaching en séduction avec vous, c'est-à-dire que je vais vous apprendre à aller aborder des filles, que ce soit dans la rue, que ce soit dans les bars, il a dit ok, laissez tomber. Ce que je fais, c'est que je vous relook, je prends des photos, je vous crée votre profil en ligne, enfin, je crée votre profil en ligne et je vais moi-même draguer les filles pour vous. Et ensuite, vous allez directement en rendez-vous avec la fille. Donc, en gros, il a passer une étape supplémentaire encore pour faciliter la tâche, pour rendre encore le produit plus attrayant pour ses clients. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal, la question n'est pas là. Mais en fait, il y a toujours possibilité d'améliorer encore d'améliorer les choses et de rendre produit, de rendre un coaching encore, encore meilleur. Et même si on vous dit que voilà, le domaine est plus ou moins saturé. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo.